Alors bonjour, vidéo pour vous montrer ce que verrait, ce que doit voir un élève ou un étudiant si vous avez mis une série de notes en activant le devoir. Alors là, alors donc en fait, le devoir c'est là je suis connecté en tant qu'enseignant. Voilà, j'ouvre la fenêtre, j'ai dans mes notes créer une série pour les BTS, donc c'est une évaluation du rendu coefficient 0 pour la période de confinement, une petite note sur 2 pour marquer que le travail a été fait ou pas. Et j'ai activé donc cette petite case avec le corrigé et j'ai donc inséré un dossier zippé ici qui contient 3 petits fichiers. Donc la question est comment un étudiant ou un élève d'ailleurs accède-t-il à ce corrigé? C'est une demande de Fabrice, enfin c'est une question de Fabrice, d'où la vidéo. Alors je reprends le compte OK de l'étudiante qui m'a gentiment prêté son mot de passe, l'identifiant, ça c'était bon. Donc ça c'est bon, je suis connecté en tant que Laurine. Alors Laurine. Premier truc, sur son tableau de bord, je vois une saisie. Alors, j'ai fait sa série de notes hier, enfin aujourd'hui, pardon, mais j'ai mis une date de rendu. J'ai mis la date d'hier, donc c'est pour ça que dans les dernières notes saisies, elle voit sa note d'informatique 2 sur 2 et elle a accès ici au corrigé. Et j'imagine que, puisqu'ici nous ne voyons que les dernières notes, j'imagine que si je vais dans ces notes, ok, ces notes ici, donc elle a l'historique de toutes les notes déposées dans le cadre de l'informatique, et elle a accès, quand un corrigé a été ajouté à la série, eh ben, elle a accès en fait aux corrigés qui sont là. Alors voyons si mon truc fonctionne. Là, elle télécharge son dossier zippé, enfin mon dossier zippé, pardon, que je m'en vais décompresser, toc, et elle contient les trois éléments que je voulais montrer. Voilà, donc je m'en vais répondre au téléphone et cette vidéo est terminée.